aura une révolution dans ta vie de prière. There'll be a revolution in your prayer life. Et ça sera un héritage. And it will be an inheritance. De l'édition 2023. Le samedi 29 juillet 2023 marquait la 29e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2023. Session au cours de laquelle le pasteur Meunier a été conduit par le Seigneur à rappeler le contexte historique et l'enseignement sur la prière de Gethsémani. Et ce, en commentaire au passage de Marc le chapitre 14, le verset 32 à 36 et de Luc le chapitre 22, le verset 39 à 46. À partir de ces passages, l'homme de Dieu partage à l'assemblée ce que le Seigneur l'a enseigné sur ce modèle de prière intense et instante que le Seigneur Jésus a élevé à Gethsémani et tous les mobiles qui encadrent la prière d'importunité, commençant par le contexte déclencheur de la méditation sur la question de la prière d'importunité. Quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire pour la mission, when we came to Côte d'Ivoire on mission, on a prié vraiment, on a attaqué par la prière. We really prayed. We attacked through prayer. Déjà depuis le Cameroun, on priait. Already from Cameroon, we were praying. Et on croyait à la prière. And we believed in prayer. Mais j'ai eu à confronter quelque chose qui m'a fait réfléchir. But I confronted something that got me thinking. Les gens nous critiquaient. People criticized us. Et ces gens qui nous critiquaient disaient. And these people who criticize us say que à la CMCI, that in CMFI il y a que l'enseignement. There's only teaching. Et puis je disais que non, ça c'est faux. And I would say this is it's a lie. Je disais il y a les miracles, il y a des guérisons du sida. We have people healed from AIDS. Il y a des gens qui sont guéris du sida. There are people who have been healed from AIDS. Il y a les démons, on les chasse. We cast out demons. Mais la critique ne faisait que continuer. But the criticism continued. Un jour, one day, j'entends la voix du Saint-Esprit. I heard the voice of the Holy Spirit. Le Seigneur me dit, the Lord told me, les gens n'ont pas dit qu'il n'y a pas de miracles. People did not say we do not have miracles. Les gens disent, people say, il n'y a pas de prière. There is no prayer. Et le Seigneur m'a parlé. And the Lord spoke to me. Il me dit, he told me, tant que vous n'avez pas enseigné, as long as you have not taught, que les démons les plus puissants, that the powerful demons, ne sont chassés que par le jeûne et la prière, can only be cast out through prayer and tout votre enseignement sur la délivrance reste incomplet. All your teaching on deliverance remains incomplete. C'était en 2005. That was in 2005. J'ai exhorté l'église. I exhorted the church. Je n'ai pas médité sur ce que Dieu m'avait dit. Dès que j'ai reçu, j'étais heureux. Parce que quand Dieu me parle, je sais que ça là, ça vient de Dieu lui-même. I did not meditate on what I received. But when I received it, I was happy. And when I received something from God, I know that this comes from God. Donc je savais que Dieu m'avait parlé. So I knew that God had spoken to me. J'ai exhorté l'église. I exhorted the church. Et puis, nous avons continué. And we continue. En 2006, in 2006, Dieu me dit, quand je parle de prière, God told me when I talk about prayer, ce n'est pas ce que vous faites là. It's not that which you're doing. Et puis, il y avait ce qu'on peut appeler une vision d'esprit. C'est-à-dire, tu n'entends pas des paroles, mais tu comprends le phénomène. So this is what we call the vision of the spirit. You do not hear the words, but you understand. Il y a eu comme une illumination de mon intelligence. There was an enlightenment of my et intelligence. Je comprenais le mystère de la prière. And I understood the mystery of prayer. Dieu me dit, God told me, ce n'est pas ce que vous faites là, Seigneur, bénis le frère. Amen. It's not what you're doing, God bless you. Seigneur, soutiens-moi. Amen. Oh, Seigneur, qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Amen. Oh Lord, let it not rain today. Amen. En fait, c'est dans ce style-là qu'il m'a parlé. So it was in that light that he was talking to me. Et du coup, and then, j'ai vu dans mon esprit le texte de Matthieu de Marc 14. And suddenly I saw in my spirit the text of Mark 14 that we just read. J'ai envoyé ma main. I stretched forth my hand. J'ai pris la Bible. I took the Bible. Je me suis mis à lire. I started reading it. L'histoire de Gethsémani. The story of Gethsémani. Selon le modèle du Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani, nos frayeurs doivent nous conduire à prier intensément plutôt qu'à rétrograder pour que le Seigneur nous en délivre. La réponse du Seigneur Jésus à la frayeur, c'était la prière. Was prayer.
Ça fait partie des choses que Dieu m'enseignait. That was part of the things quand that tu as peur, when you are afraid, comment toi tu réagis? How do you react? Quand tu es effrayé, when you are frightened, comment tu réagis? How do you react? Il y en a qui s'enfuient, ils abandonnent. Others, they run away, they abandon. Ou bien ils se mettent à pleurer. Or they start crying. Mon âme est triste. My soul is jusqu'à la mort. To the point of death. Venez. Come. Restez ici. Stay here. Et lui-même, and he il a fait himself, quelques pas en avant. He took a few steps il s'est éloigné d'eux un peu. So he was far from them. Il est tombé face contre and terre. He fell on the ground. Il dit, Abba Père. Say, Abba Father. Continue. Continue. Il disait, Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. All things are possible with you. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Take this cup away from me. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux. Nevertheless, not what I will. Mais ce que tu veux. But you, what you will. Continue. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il vint vers les disciples. Ça, c'est la première session de prière. That was the first prayer session. On ne sait pas combien de temps ça a duré. We don't know how long it lasted. Qu'est-ce qu'il disait? What was he saying? Père, Father, tu peux tout. You can do all things. Tu peux tout. You can do all things. Éloigne de moi cette heure-ci. Take this hour away from me. Éloigne de moi cette coupe. Take this cup away from me. On appelle ça l'importunité. We call it importunity. Pourquoi? Why? Parce qu'il sait. Because he knew que son père veut qu'il aille à la croix. That his father wanted him to go to the cross. Mais il se donne la foi. That he gave himself the faith de prier tout de même. To pray. Il y a plusieurs manières d'importuner Dieu. There are many ways of importuning God. Tu peux importuner Dieu en priant pendant des heures. You can importune God by praying for hours. Sans arrêt. Without end, without stopping. Chaque jour, tu es devant lui. Every day you are before him. C'est ce que Jésus a enseigné dans Luc chapitre 18. That is what Jesus taught in Luke chapter 18. À partir du verset 1. From verse 1. Tu peux importuner Dieu. You can importune God. En lui disant de faire ce que tu sais qu'il ne veut pas faire. By telling him to do that which you know that he does not want to do. C'est ce que Jésus pratique ici. That is what Jesus is practicing il here. Il sait. He knew que son père veut qu'il aille à la croix. That his father wanted him to go mais to the cross. Que fils, but as a son, il importune son père. He importunes his father. Mais en lui donnant toute la souveraineté. By giving him all the sovereignty. Il ne fait pas cela comme un acte de rébellion. He does not do it as an act of rebellion. Mon âme est triste jusqu'à la mort. My soul is saddened to the point of death. La réponse. In response. La prière. Prayer. La prière. Prayer. À ce niveau, le pasteur Meunier démontra que le manque de prière est à la base de l'incapacité de résister face à la tentation. Si on vérifie pourquoi beaucoup sont tombés dans le péché, ils n'ont pas prié. If they tell you why many fell into sin, it's because they did not pray. Oh, Saint, sauve-moi de la tentation. Amen. Oh, Lord, save me from temptation. Amen. Les esprits de mort restent logés là. Pourquoi? The spirit of death remain lodged there. Ta manière de prier ne les effraie pas. Your manner of praying does not frighten c'est them. C'est comme si, plus, quand tu pries même beaucoup, ils se tiennent à un coin de ton corps pour esquiver. When you pray, they go to a side of your body to escape. Dès que tu finis, the moment you finish, ils se rétablissent. They reestablish themselves. Ils sont sortis. Without going. Veillez et priez. Watch and pray. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. So that you do not fall into temptation. La prière nourrit l'esprit et le manque de prière affaiblit l'esprit. Et les péchés comme la gloutonnerie alourdissent le croyant et constituent un grand obstacle à la prière. La chair, ce n'est rien. Because this flesh is nothing. C'est l'esprit. It is the spirit qui donne la vie. That gives life. Et l'esprit se nourrit de la prière. And the spirit is nourished by prayer. L'esprit ne se nourrit pas de la nourriture. The spirit is not nourished by food. Au contraire, si tu manges trop, tu ne peux plus bouger. On the contrary, if you eat a lot, you can't move anymore. Jésus a dit. Jesus said. Prenez garde. Be careful. Que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie. So that your hearts are not taken
away by the excess of eating and drinking and the worries of the world. Quand tu as bien mangé, when you have eaten very well, et que tu ajoutes même l'excès là, c'est comme des plombes qu'on ajoute sur ton corps pour enfoncer au fond de la mer. And you put the excess, it's like blocks that they put and they send you to the bottom of the sea. Aussi, à l'exemple des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui étaient endormis de tristesse à Gethsémané, la tristesse doit être rejetée par tous les saints car elle constitue un obstacle à la prière et même un facteur d'envoûtement, a précisé le pasteur Meunier, exhortant l'assemblée à toujours suivre le modèle du Seigneur Jésus qui s'est plutôt tourné vers Dieu pour prier instamment quand il a été gagné par la tristesse. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Écoutez. Listen. Ils étaient endormis de quoi? De tristesse. They were asleep of sadness. Mon âme est triste jusqu'à la mort. My soul is saddened to the point of death. La réponse. Response. La prière. Prayer. Ça veut dire que la tristesse a un pouvoir d'envoûtement. So it means sadness has a power of bewitching. Que tu peux être une femme de prière. Quand le diable veut te freiner, il crée les événements qui t'attristent et tu deviens lourd. You can be a woman of prayer, and when the devil wants to have you, he will create situations that will make you to be sad, et so that you'll be heavy and sleep. Ils étaient endormis de tristesse. They were in the slumber of sadness. Quand tu es triste, when you're sad, resist. Sinon tu seras envoûté. If not, you will be bewitched. Tu seras paralysé. You will be paralyzed. La tristesse ne vient pas pour te faire du bien. Sadness does not come to do you good. C'est à partir de cet enseignement que le pasteur Boniface Meunier a conduit la prière de cette 29e session. Et miséricorde, compassion, compassion et miséricorde. And mercy. Oh, Père, des compassion. Oh, Father, et have mercy and compassion. Des compassion et compassion miséricorde. And mercy. Des compassion et miséricorde. Oh, Rikabaka, Rikarebaka, Erebaka, Sekarebaka. Dieu, Père, ordonne la vie. Là où la mort régnait déjà. Ordonne la vie. Là où la mort régnait déjà. Ordonne la vie. Là où la mort régnait déjà. Oh, Père, ordonne la vie. Là où la mort est déjà, ordonne la vie. Là où la mort est déjà, ordonne la mort est déjà. Le Seigneur a répondu aux cris de son peuple élevé en ce jour, et notons que plusieurs guérisons et délivrances ont été opérées séance tenante. Et à cet effet, le Seigneur a bien voulu montrer à son peuple des signes palpables, confirmant son agissement dans la vie des frères en ce jour. Vous remettez tout chose volée et vous partez. Et vous partez. Et les enfants. Cette sœur, par exemple, a jeté la béquille avec laquelle elle était venue. Le Seigneur l'a guérie miraculeusement. Va devant. Come forward. Offre l'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Oui, allons-y. Let's go. Rapidement, suivons. Quickly. Next. Alléluia. Je dis merci à Dieu ce soir parce qu'il m'a guéri. Quand je venais ici ce soir, je ne pouvais pas marcher sans cette canne-là. Mais quand les hommes de Dieu ont fini de prier pour moi, je me suis sentie libérée. Acclamation. Je rends gloire à Dieu ce clap soir. Offering. Rentre maintenant sans poser la canne sur le sol. Ça va rester dans tes archives. Jésus-Christ. En plus des guérisons, plusieurs visions ont été partagées qui confirment les grandes bénédictions qui ont été récoltées en réponse aux prières de cette session. Alléluia! Et ce soir, pendant que nous sommes rentrés dans la prière de combat, frère, j'ai vu le ciel ouvert. Et j'ai vu Dieu lever sur son trône. Et dans sa bouche, c'était des flammes de feu qui étaient comme des anges. Et je voyais des anges à des épées flamboyants qui parcouraient dans le lieu. Amen.
nous prions, un ange est descendu dans notre village, mon village paternel. Et il a saisi le masque, parce que là-bas, c'est le Goli qui est adoré. Il a saisi le masque et il a questionné où tu as gardé les richesses, où tu as gardé les richesses. Et il a fait une prise au masque et le masque a vomi une clé. La clé était rouillée. Et il a pris la clé, il a nettoyé la clé. C'était une clé en or. Et il disait que la clé, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes de la famille. Alléluia. Jesus Christ. Et quand nous prions, le Seigneur m'a montré une vision. La vision, c'était une lumière forte qui illuminait sur des chaînes qui se brisaient, qui fondaient. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Coco Christine, mon faiseur de disciples, c'est maman Colette. Je veux être infiniment reconnaissant au Seigneur. Tout à l'heure qu'on priait, papa était en train de dire, on n'a qu'à insister. Si notre nom était dans une annale des sorciers, et le Seigneur m'avait transporté dans le village maternel de ma maman. C'est un royaume entre la frontière du Ghana et puis le Togo. C'est comme si je me suis vue, moi, en double. C'était comme si c'était une adoration de jumeaux. Et il y avait des trônes. Et j'ai vu comme quand le pasteur priait instamment, c'était comme moi-même, je me parlais à moi-même pour dire, aujourd'hui, tu sais que je ne suis plus là parce que je dois quitter ta vie. Le trône, j'efface ton nom de la lignée de ceux qui doivent prendre la succession. Tu quittes la lignée. Et j'ai vu un marteau venir casser, parce que c'était comme si j'étais assis sur un trône et puis on était beaucoup. C'était comme si on était comme des momies, on ne bougeait pas. Et il y a un marteau qui a cassé. Et je me suis réveillée. Et puis l'autre personne qui était comme moi, en face de moi, a libéré la route. Elle a repris la place de la momie. Parce qu'elle dit, c'est elle qui doit être là. Mais au départ, c'était moi qui étais là. Donc je vais être reconnaissante au Seigneur qui m'a délivrée de cette adoration de jumeaux. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Session au cours de laquelle l'équipe de délivrance a enregistré 110 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. 834 démons et autres esprits impurs ont été chassés et 224 guérisons instantanées ont été observées. Notons que cette 29e session a aussi été marquée par le salut de 114 âmes et plusieurs enfants ont été consacrés au Seigneur par le parent. C'est parler des maladies de ce siècle. C'est prêt d'en prendre des of this que toute tentative de les envoûter échoue toujours. Protect them from des maîtres méchants, from wicked masters, des éducateurs méchants, from wicked teachers, des professeurs méchants, wicked teachers. Veille sur eux, watch over them. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.